Vous avez une contracture ? La contracture est un mécanisme de défense de l'organisme. Le muscle se contracte pour limiter les mouvements et éviter l'aggravation d'un problème sous-jacent. Vous avez mal où ? Si vous avez mal au niveau du dos, c'est souvent dû à une mauvaise posture, à des mouvements répétitifs, un faux mouvement qui donne un lumbago ou un torticolis par exemple. Si vous avez mal au niveau du mollet, c'est alors une contracture primaire qui a un rôle d'alerte. Si celle-ci n'est pas prise en compte, la contracture devient plus importante et peut s'aggraver. Il existe 4 causes aux contractures musculaires. Le plus souvent, elles sont dues à un excès d'activité physique ou sportive, une lésion musculaire mal réglée, un traumatisme comme un choc. Elles peuvent aussi trouver leur origine dans des maladies infectieuses, comme une péritonite ou une méningite. Selon le diagnostic, le traitement de la contracture ne sera pas le même. En l'absence de lésion, le repos est de rigueur. Afin de soulager une contracture, vous pouvez appliquer du chaud pendant 30 minutes, faire un massage ou prendre des antalgiques et anti-inflammatoires prescrits par votre médecin. Des professionnels tels que des kinésithérapeutes ou des ostéopathes peuvent aussi traiter la contracture. Nos conseils pour éviter les contractures ? Avant toute activité sportive, échauffez-vous progressivement pendant 20 minutes. Après l'effort, faites des étirements de 20 secondes et répétez-les au moins 3 fois. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Dans tous les cas, outre le repos indispensable, traiter rapidement la douleur est nécessaire pour éviter que celle-ci n'engendre des problèmes articulaires plus graves et plus complexes à soigner. Pour en savoir plus sur les contractures, retrouvez toutes les infos sur eureka.fr.